Salut, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer ça. Et non, j'ai toujours pas de tour, j'en ai encore raté un qui est passé sur le bon coin à côté de la maison, un guillier qui est parti à 200 balles, et vraiment c'est dommage, mais bon, je l'ai raté. Mais j'ai découvert qu'il y avait des solutions pour fabriquer des trucs cylindriques avec une scie à format ou une scie sous table, grâce à Easy Swan, grâce à Boris Belland qu'on avait fait un aussi. Et c'est vraiment un petit jig qu'on peut fabriquer qui marche super bien. Et voilà, je vous emmène dans la fabrication et puis on va faire des ronds. Allez, en avant! Alors, je vais devoir mettre de l'aspiration là-haut parce que ça va faire une poussière du diable, ça. Et je vais en profiter pour modifier cette aspiration de la scie par en dessous parce que le tuyau est trop long, il ne sert à rien. Et surtout, je vais utiliser le tuyau en haut. Je vais pouvoir le démonter rapidement avec deux emmanchements en PVC qui vont être très vite à installer. Donc, voilà. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Allez, en avant! Donc c'est du tuyau 125 et ça c'est un manchon à 125 et ça rentre pas. Alors je vais l'aider un petit peu.
Merde, raté. Voilà, normalement il va reprendre sa forme et se resserrer autour du tuyau. Bon, faut pas tirer dessus, hein. Voilà. Hier, j'ai fait une connerie en mesurant la hauteur ici et la hauteur là parce que j'ai oublié que voilà, c'était une surépaisseur ici. Donc voilà. Donc il faut que je trouve une combine pour baisser ça de cette épaisseur là. Donc en fait, je vais rajouter une épaisseur, couper là et puis ça va aller très très bien. Pas très joli, mais ça marche. Enfin, ça va marcher. Alors pour le premier essai, je vais prendre du tilleul. Voir ce que ça peut donner avec du tilleul. Le tilleul est beaucoup plus facile que les autres essences. Le tilleul est beaucoup plus facile que les autres essences à travailler. Donc à l'arrière, je mets... Ah ben il n'y a plus de pile. À l'arrière, je fais un trou de 8. Et à l'avant, je fais un trou de 6,8. Et c'est normalement le forêt qu'il faut utiliser quand on taraude à 8. Donc on va voir ce qu'on va voir. Le trou de 8, il va là. Et le trou de 6,8. Voilà. Bon, ça tourne. Thank you.
Bon, le succès est total, mais pas tout à fait, parce que ces trucs-là, ils sont trop hauts. Et donc, je ne peux pas avoir des petits diamètres. Et pour faire des manches d'outils, par exemple, ben, ça ne va pas convenir. Je peux faire des beaux cylindres, et encore là, je n'ai pas fait la finition. C'est remarquablement doux, le passage. Je pensais que ça serait plein d'à-coups dans tous les sens, et en fait, c'est très doux comme usinage, et ben, voilà, je suis remarquablement bien surpris. Ça fait une petite texture en plus, là. Bon, là, j'ai pris une lame qui coupait pas très bien, mais ça fait un peu une texture qui est pas très bien, qui est pas mal. Donc, il faut que je replace mes axes un peu plus bas. Alors, ici, il n'y aura pas de problème. Ça, je vais mettre ça à l'envers. Donc, je vais pouvoir repercer. Mais ici, il va falloir que je décale tout 20 mm vers le bas. Voilà. Donc, heureusement que je n'ai pas collé le support de la visseuse. Celui-là, je vais pouvoir le démonter et ensuite, je vais repercer plus bas. Ah oui, il faut que je mette mon accu à charger. Ça va tomber en face. Hein. Alors.
voilà. Bon, il y a une petite marque là, mais en dehors de ça, c'est super bien. Bon, c'est un peu petit pour un manche de pioche, mais pour un premier essai, franchement, je suis super content. Ça marche super bien. Vous êtes prête à être reine et à avoir un sceptre? Tiens, un petit pour toi et un grand pour toi. Oui! Vous êtes les reines d'où? De Saint-Privat. Allez, bravo les filles! Bravo les filles! Bravo les filles! Un bisou pour le menuisier. Voilà, je suis vraiment content du résultat, c'est vraiment super. Et comme on l'a vu, c'est il y a allez, 1,5 mm de différence entre les deux bouts. Vraiment, c'est précis, c'est là avec une petite finition, avec du 180, c'est lisse comme tout, c'est vraiment beau. Et voilà, c'est une technique qui marche. Alors, je remercie Easy Swan et Boris de me l'avoir rappelé ou montré. Et voilà, c'est vraiment un truc qui marche bien. C'est relativement facile à faire. Et voilà, ça marche super bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce film. Et à très bientôt pour de nouveaux films. Et il va y avoir du tournage encore. Il y a un projet qui vient, je ne sais pas si ça sera le prochain ou celui d'après. Mais il y aura du tournage. Un projet un peu spécial. Allez, à bientôt.